c'est Emery du moins là, 20e promotion à CIDEP. Donc vraiment j'ai appris la déclaration douanière pour que nga mon copé na le sala marché na ngai. Parce que longtemps, donc ça marché à Bakou, mais nga mon sala marché na ngai parce que la commande déclarée grâce à CIDEP. Donc CIDEP, na vous senga ba déclarer pour tanga ba classe. Na vous senga ba maman ba forme ba na bino. Ok, CIDEP et puis tu bango ba sala msala. CIDEP faisait forme ba te belé. Vraiment en tout cas, on a évité. Là, on a évité les déclarations données après la CIDEP. On défend les dossiers de l'ennemi, sauf la CIDEP. Vraiment. CIDEP est un établissement public. Il y a un enseignement supérieur universitaire. Mais tout cas, on a pour organiser la formation, il y a moyenne et à courte durée. Alors, maintenant, la formation, il y a management des entreprises, déclaration douanière, gestion des exploitations agricoles, pêche et élevage, formation bah, OPJ, officier de police judiciaire, et puis Nyon Sobetenaya en tout cas. Nous avons assistant à CIDEP, ici quand on peut tous aller former, et nous avons aller pour la formation à courte durée, tout comme à moyenne durée. Tout ça, dans la branche est belée, où tous allez organiser la CIDEP. Voilà la raison d'être là-dessus. Moi, c'est le coordinateur administratif et financier du CIDEP, M. Jean-Baptiste Melozi. Nous sommes là au CIDEP en tant qu'une institution publique de l'État. Nous organisons des enseignements à courte durée, entre autres, c'est la direction informatique, déclaration en douane, OPJ, élevage et pêche. Il y a une panoplie de formations que nous organisons, mais pour ceux qui peuvent en avoir besoin, qu'ils viennent sur place, à l'Institut Londres, nous sommes là, nous serons utiles pour eux. Moi, c'est le chef des travaux, Célestin Dipensab, où je suis le coordonnateur technique et scientifique. C'est l'équivalent de l'académique. Ici, je suis en train de lancer l'appel au public matadien. Ceux qui croyaient encore que le CIDEP n'existe plus, sachez que le CIDEP est toujours ouvert. Le CIDEP n'a jamais disparu. Ça, c'est un appel qu'on vous lance. Venez vous former. Venez vous former. C'est très important que vous ayez quel titre. Le CIDEP va vous ouvrir les débouchés, les nouvelles débouchés pour que vous puissiez trouver rapidement du travail. Moi, c'est M. Léon Tsonimpanda, chef des travaux, directeur provincial du CIDEP. Nous sommes là pour la formation professionnelle, comme on dit mes collaborateurs. Venez vous former dans tous les secteurs d'activité pour que vous puissiez créer des entreprises. Donc cette formation-là vous donne la chance, l'avantage d'avoir la capacité technique qui va vous permettre d'être un vrai acteur pour le développement. Vous allez faire des métiers dans tous les niveaux et c'est là que vous permettre en tout cas de bien conduire votre vie et d'avoir une activité qui va vous procurer beaucoup d'avantages, beaucoup de moyens.